possible de faire du bruit pour eux autres. On va les remercier un peu. Voici une chanson assez étrange et mystérieuse. Vous savez que dans le domaine du traditionnel, il y a toujours une petite chanson grivoise à un moment donné, m'entends-tu? Alors, laissez-moi vous présenter l'homme qui a la voix la plus grave au Québec, mesdames et messieurs. Je l'ai avec moi ici, à ma gauche, Monsieur Dominique Grenier. Là, ça a l'air de rien de même, mais c'est une chanson à répondre, ça, là. OK? Alors, c'est vrai. Vas-y, toi, vas-y, toi. Si ça vous dérange pas, on va prendre une note un petit peu plus haute, nous autres, on va y répondre, OK? Mais ça va prendre des mains, et à soir, si vous voyez votre voisin qui tape pas des mains, il tape dessus, simplement. Très bon. Ça me prend tout le monde. On va répondre. Vas-y, toi, on répond. Vas-y. Je suis allé.
Je passais par là, puis je vous dis qu'elle aime ça. J'y swing les reins, j'y prends sur la grille, ça va, ça va. Ça finit par un grand oh! Attends, wow, par quartier, attends un peu, wow. Ce que vous savez pas, c'est que mon grand-père m'a légué son violon quand j'avais 7 ans. Hein? J'ai-tu perdu une boule, là? Non, mais vous savez pas ça. Mon grand-père m'a légué son violon quand j'avais 7 ans, mais ils m'ont aussi légué cette tête de lilas. C'était à mon grand-père, ça, mesdames et messieurs. Et pour allumer ma grand-mère à Noël, sais-tu qu'est-ce qu'il faisait avec ça? Oui, c'était de ma mère. Hey, ma grand-mère, elle venait en maudit parce qu'elle m'a amené trop, c'est trop, m'entends-tu? Elle jouait, le grand-père, il jouait pas cet instrument-là de la même manière à 20 ans, à 40 ans ou à 80 ans, là. À 20 ans, c'était très souvent, mais pas longtemps. Un peu comme ça, c'est comme lui. À 40 ans, il jouait ça moins souvent, mais plus longtemps, tu peux, comme ça, à peu près de même. À 80 ans, c'était une fois ou deux ans, mais en ronflant. Aujourd'hui, là, je parle des petites pilules bleues. Il aurait été le Tarzan des résidences soleil, c'est ça.